Les joueurs BF ils sont là. On se fait vanner par les fans. Non, et je crois qu'elle n'avait pas compris en fait le principe d'un stream. Ah oui, non mais oui, parce qu'on lui a dit qu'on castait et qu'on lui a bien montré 4 fois le micro, elle comprenait pas. C'était peut-être le problème. Bon bref, trêve de plaisanterie, on est parti avec nos joueurs préférés. Ouais. Notre Val 26, notre Oxygène. Et là ça va être très intéressant parce que forcément on est avec deux personnes qui se connaissent super bien. Ils se connaissent sur le bout des doigts, que ce soit le match-up ou le joueur. Voilà c'est ça, on connaît très bien le match-up des deux côtés, très bien les joueurs de deux côtés. Ça s'entraide, ça s'entraîne et ça s'entre-coach. Donc ça va se catch sur des habitudes malheureusement qu'on n'arrive pas à enlever entre les deux joueurs. En effet, hein, et là c'est une partie quand même pour l'instant plutôt calme, hein, on arrive à trouver des petites entries par ici par là, des one-hit combo, mais vraiment rien de plus. Et là, on commence déjà par contre avec Val qui nous propose une petite phase d'avantage, on arrive à emmener un petit peu Oxygène dans le corner, mais au final on se fait très vite inverser les positions. Mais à l'aide de ce B qu'on a beaucoup vu la game d'avant, bah c'est pas vraiment un problème. Je suis corner ? Non, je suis middle stage en fait, surprise. Mais là un peu trop de thunder du côté du bon Val 26, on n'en peut plus. Il nous prend la tête là. Mais il va falloir un petit peu se calmer sur ces Thunder. Même si on a trouvé des très bonnes punishes contre AZERTY ou même contre toi la game d'avant, va falloir un petit peu se calmer parce que ça va forcément un petit peu moins bien marcher. Du côté de l'Oxygène, on vient trouver cette stock en punish. On a voulu F-Smash et ben on en est mort. Force. Non, enfin, on montre qu'ici on n'a pas vraiment le droit de bourrer genre d'options, surtout quand c'est un mi-brawler qui a un kill potentiel de malade. Donc il va falloir respecter beaucoup plus. Et c'est bon side B hein, qui est trouvé. Ça envoie directement sur la plateforme qui, honnêtement, est pas un moment que tu kiffes quand t'es contre mi-brawler. Ouais, donc c'est vraiment très intéressant ici la phase corner qui a joué de très très long. On arrive à s'immiscer à travers les tissus. Et maintenant qu'on est au corps à corps, on essaie de mettre toute notre cuisine. On essaie de trouver les petits moves potentiellement des grabs qui pourraient mettre dans une situation très juteuse. Okay. Et on a envoyé off stage. Attention, le down smash ça va. De toute façon, on le sait. Pikachu ça peut manquer de kill power. Mais là, on a trouvé comment potentiellement trouver le kill power. C'est quoi ? Ça manque de kill power. Ouais. Même pas ce que je dis, ça tue même pas. Ça va pas tuer, mais on continue de garder l'avantage. Oh. Et voilà. Superbe. Superbe ouais. Ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on revient comme ça sur la game pour Oxygène. On sait que quand on n'a pas de saut, et ben on va essayer de biffy un up ouais, assez haut très, ouais. Pour pouvoir ensuite drift in sur le ledge et ben bien punir avec le thunder, et ça c'est une super opération pour Val. Mais voilà, on a réussi quand même à trouver quelque chose que moi je sais qu'il essaie de travailler en ce moment, c'est à dire des petits ledge trump back air. Malheureusement on n'a pas tué parce qu'on reste Pikachu, et là malheureusement on prend la sauce depuis ce qu'on a pris cette sock, on est déjà à 120%. Et bon, on arrive à trouver un premier backer. Un deuxième, on a reset de saut, fer, superbe, thunder qui ne touchera pas. Dommage pour Val de réatterrir sur cette fin de down B. On a raison à côté Val, hein. C'est vraiment ce qu'il y a à faire là, d'essayer d'aller embêter cette mi-brawler dès qu'elle est offstage. Ouais. La Rico peut être catastrophique avec le perso, donc si on arrive à trouver ces petits kills à 30%, on est le roi du monde ici dans le match-up. Clairement. Maintenant on va devoir quand même néanmoins revenir sur le terrain ici, on essaie de temporiser un maximum, on a essayé de jouer un petit peu là côté Oxygène, d'être assez agressif pour trouver ce kill, mais ça n'aura pas suffi. On est retour maintenant neutral, hein. C'est Basic qui essaye de chatouiller un petit peu Oxygène, et au final on ne trouve pas grand chose si ce n'est ces petites phases avantage. Ouais, mais comme tu le dis, ouais, je pense que. Ok, bon, big nerf, pied bouche. L'off stage va être très important pour les deux joueurs. D'autant plus que mi-brawler revient très bien sur le stage. Mais si tu lui crames ses options une après une, ça peut être compliqué de revenir. Ouais, donc il faut abuser du côté de Val, faut pas en avoir peur. On est Pikachu, on a un side B, on a un down B, on a un up B. On revient à peu près de tout ce qu'on veut. On peut être sur le setup à côté, on reviendra. Non, on reviendra. Par contre, là, on va chercher des phases très très agressives sur les autres plateformes. Est-ce qu'on peut potentiellement égaliser grâce à cette situation qui est assez intéressante? Mais on arrive à tranquillement reprendre ce stage control côté Oxygène. Et on a raison, on va pas trop se risquer à jouer dans le corner. On a vu ce qui se passait sur notre première stock. C'est vraiment pas le moment, on n'a pas de temps à perdre. On joue safe. On va de toute façon à un moment trouver ce back air, trouver ce B, trouver ce pair qui permettra de trouver le kill à un moment ou à un autre. Là, très bon jab lock, mais on le sait, ça va pas tuer. F-Smash t'es pas mieux là? J'imagine qu'on a peut-être pas le temps, je sais pas trop. Je pourrais pas te dire, mais par contre ici la situation en Uber Corner qui commence à être un peu tendue hein, pour Val. On a vu ce premier back air qui commence à nous faire frôler la base zone. On sait qu'on va pas pouvoir reprendre énormément de plus. Va falloir trouver des solutions pour cette deuxième stock avant de perdre notre dernière. Clairement. Et on reviendra pas du côté d'Oxygène. On regarde la manette, peut-être un miss input. Je pense qu'elle marchait pas. Hein. On verra bien. Vous pouvez pivot F-Smash pour toucher le sweet Imo, ça a tué. Merci. Coach Mel pour l'information, mais voilà, je pense que un peu dommage, mine de rien.
pour ça, mais bon, on a quand même réussi à trouver la stock du côté de Val. On va mettre en place un petit nerf loop. On dirait que Oxygène ne joue pas Pikachu parce qu'elle ne sait pas en sortir. On a pris 50%. Donc force. Non, honneur. Force, hein, ça commence à être un petit peu tendu. On arrive à trouver ce multijam dans le corner. Ouais. Pardon, je m'étouffe. Mais oui, je disais que ça commence à être un petit peu tendu. Hein, parce que là, on sait très bien, côté Oxy, que notre game peut être perdu très 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 vite si on ne reste pas aware. Là, on joue très très loin. On veut limiter la prise de risque. Mais à force d'être pas assez, enfin, de pas jouer du tout, on se retrouve sous la pression de 26. Et honnêtement, Pika fait de la pression, il kiffe ça. Hein. Ouais. Donc est-ce que c'est vraiment le but ici de le laisser jouer autant qu'il le veut? Là en plus, on se permet presque hein, de whiff, enfin de rater ses bénétrales. Alors qu'honnêtement, c'est vraiment pas le moment. On commence à avoir. Ouais. On essaie d'avancer, mais on sent qu'on n'est pas sûr. Hein. Ouais, ouais. Un peu dommage hein, cette punish du Riverside B d'oxygène. Ça aurait pu être un peu mieux pour Val, je pense. Mais néanmoins, on n'a pas pris beaucoup de pourcents du côté de Val et on a quand même réussi à remonter une stock à 85%. Donc non, ça, le pari a été très bon pour Val. Backthrow, et là, est-ce qu'on va pouvoir revenir pour Oxygène? Ok, bon, on n'a pas réussi à le faire une deuxième fois, mais mine de rien, c'est toujours aussi intéressant. Et ça fait peur. Hein. Ça, c'est tendu. Hein. Ouais, clairement. Tu sens qu'il y a la goutte au front là sur ce mi-brawler qui, à chaque fois offstage, risque sa vie. Là, on est sous la pluie de T-Jolt, on aimerait avancer hein, maintenant qu'on est à even pourcent. Et on le redit, hein, c'est dommage, toute cette avance qui était pourtant si délicieuse s'est perdue. Là, le forwarder qui commence à nous faire croire que Pikachu a du kill power. On se retrouve offstage, c'est le forwarder qui aussi nous catch, mais on a été très aware. Juste le B suffisait pour revenir sur le terrain. Ouais. Et ça commence à faire peur. Hein. À nouveau, un back air ici sur en tapant le shield. À côté oxygène, on commence à se faire de sacrées frayeurs. Cette game qui semblait pourtant si bien partie commence à nous filer entre les doigts. Ouais, vraiment. Là, on a un Val on point, une Oxy qui se précipite un petit peu sur des options aussi. Donc attention, parce qu'on connaît, hein, mi-brawler a probablement plus de kill power. Je suis mort. On peut le voir. Plus de kill power que Pika. Donc, on va avoir moins de problèmes à trouver un kill. Mais attention, hein, attention oxygène, parce que on sait pas SD du côté de Val. Côté Oxy, on sait SD, enfin CSD, je sais plus trop. Parce que, attends, mais non, on a trouvé ces kills honnêtes. On a trouvé le upper B. Deuxième stock, je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que c'était un gros F-Smash, une connerie du genre. Je sais plus. Non, je confonds avec la game contre Azerty où il a B dans le vide. Mais non, enfin, on avait une avance très confortable côté oxygène. Oh, j'ai cru au Joker. Val oxygène nous a montré qu'il avait de quoi empêcher, de quoi revenir clairement. Hein, ce clutch factor qu'il a réussi à montrer contre Azerty. J'en ai aussi subi les frais dans notre set et je pense que je suis pas le seul aujourd'hui. Oh, la dernière game que t'as pris. Donc clairement, ce Val format de loser bracket est monstrueux. Le plus grand des requins, c'est lui le roi des vautours. Ouais. Et on est déjà sans cette game 2 sur PS2. Ouais. Fief de Val, hein, on l'a vu sur les sets d'avant. Peut-être qu'il va se sentir un poil plus à l'aise avec cette Pokéball au centre du stage pour lui en guise de repère. Et on le voit déjà, quelques petites conversions. Superbe. Petite dash grab trouvée. Là on. Oh, dommage, on n'arrive pas à trouver ce jab lock. On a trouvé un Thunder, on reviendra, reset de. Ouais, on arrive à reverse du côté oxygène. Et là, c'est maintenant à Val de revenir correctement sur le stage. On n'arrivera pas à toucher cette Pokéball. C'est chose faite, on aura encore une fois trouvé un EB gagnant pour Val. Va falloir commencer à punir cette option clairement par pitié. Parce que bah, au bout d'un moment, force à vous. En plus, c'est facilement punissable. Hein. De quoi le. Le EB comme ça? Je sais pas. Hein. Up smash. Enfin, pas toi. Pas toi. Mais la majorité du cast, up smash. Et cette info vient de Val 26. Donc, il le dit à tout le monde en plus. Hein. Oh, par contre, il en dit des choses, mais attention quand même, elle va pas périr cette situation offstage qui peut être un petit peu dangereuse. On arrive à trouver ce B qui va trouver la stock. Très agressif ici, hein. Risk reward. Vraiment 50-50. Je me loupe, je suis morte. Je me loupe pas, j'ai la stock. C'est bien vu côté Oxy et maintenant on a un bon avantage dont il va falloir savoir profiter et ne pas retomber dans les travers de cette game 1 où on s'est fait quand même de sacrées frayeurs. Ouais, comme la game 1 de toute façon, hein, on vient catch une option un petit peu piffée sur une plateforme et on punit ça avec un EB. C'est la grande force hein, de mi-brawler et déjà 60% de gratté. Stock plutôt gagné là pour oxygène. On a trouvé une downstroke qui mènera à rien, on arrivera quand même à revenir. Ledge guard qui ne passera pas pour Val. Up smash, superbe en anti-air. Dash attack, superbe en anti-air encore une fois. Et là, c'est Oxygène qui est dans la zone et qui nous propose vraiment du super jeu.
Non, en effet, hein, les travaux sont monumentaux côté Oxy. On arrive à creuser cet écart bien comme il faut. Et côté Val, on risque de s'en mordre les doigts. Ici, on va potentiellement trouver okay, une obstro. On essaie d'envoyer ce Val 26 en hauteur. Non, on n'arrive pas à gratter énormément de choses. Hein. Le Bakar ici qui nous a frôlé le bonnet. On commence à se faire de sacrés frayeurs côté Val. Il ne faudrait pas perdre cette deuxième stock maintenant. Ça pourrait être catastrophique pour la suite. Là, on essaye tranquillement de trouver des ouvertures. Mais on s'est un petit peu endormi dans le chill côté Roxane. On l'a vu et on ne l'a pas laissé passer. Par contre, le dash grab, attention à ce genre d'options. Elles peuvent coûter très très cher ici. On va tranquillement reprendre le ledge à présent. Situation corner. On continue la pression à côté Val. On la lâche pas et c'est au final un forwarder qui aura raison de nous. Enfin. On est même envoyé par le haut. Ouais. C'est la kill cam. C'est la kill cam. Ouais, heureusement qu'on trouve cette stock pour Val, mais on est à 150% presque. Est-ce qu'on va réussir à revenir du côté d'oxygène? On revient et on a failli faire une frayeur à Val. En plus, on avait encore une fois tenté un Thunder. On va prendre un air, le fameux pied-bouche. On dégage forcément à 150%. Le rat jaune fait pas long feu face à des options comme le nerf de mi-brawler. Je pense que c'est assez rassurant dans le match-up parce qu'on se rend compte, enfin, c'est pas la première fois qu'on voit aussi emmener. Val à très très haut pourcent et ce nerf il a l'avantage. What the fuck, la phase qui va nous proposer Val ici, il est trop fort. On était très, c'était vraiment magnifique hein, de sa part, et on nous a tombé dans une situation qui est bien plus confortable que précédemment. Je te là jure. On continue ici d'appuyer la pression, on envoie ce mi-brawler offstage, on a essayé ici hein, de cheese avec ce forward DM, on en reste lucide côté Oxy, on pense à bien mixer up ses options, mais attention le backer on envoie énormément, ça fait peur. On frôle la blazone, hein, ça, ouais. Là aussi, Oxy nous le rappelle, hein, on a les moves pour faire plein de dégâts, pour tuer bientôt. Mmh. Oh, et on s'est bavé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, parce que nous on était préoccupés par un autre problème. Après, potentiellement, personne ne le verra. Il hein. y a un monde où il n'y avait pas de connexion. Donc. Ok, hein, ça va être good. Wow, ça a l'air au cage. Ok, non, le PC qui nous fait des petites frayeurs à nous faire croire qu'il n'y a plus internet. Hop, tiens. Ok, bon, pardon. T'inquiète, mais du coup. Allez, Val, ouais, bon. Disais. Ton bigot. Hop, le fan club de Val hein, qui est dans le chat. Ouais. Et je pense qu'il a besoin de ce soutien parce que là, on est dos au mur face à la joueuse TMG. Une game de la mort. Si des gens dans le chat peuvent me dire ce qui s'est passé dernière stock, c'était juste SD Val. Je suis vraiment curieux. Et c'est dommage parce que ça fait quand même deux fois qu'on arrive dans cette situation de la stock contre vents et marées en plus hein, parce qu'à chaque fois on se retrouve dans des situations mais catastrophiques et on donne tout son possible pour arriver en la stock. OMG. Et ça fait deux fois qu'on n'arrive pas à clutch et en même temps c'est compliqué face à une oxygène qui est quand même t'as plutôt forte. T'as vu le skin? Matt le skin. C'est le skin chapeau de fête. Ouais. C'est normalement c'est la forme finale. Maximum finale de Val 26. Juste pas que ce soit la finale parce qu'après on a quand même un gros morceau qui nous attend hein, si on arrive il le à passer. Trois fois, tranquille. Les fers ils connectent mieux avec le chapeau pointu. Ah ouais. Non. Je pense que ça, en vrai, je pense que ça peut être en guise d'effet d'optique un peu, ouais. Tu vois. De dire j'ai un chapeau pointu donc mes fers, tu vois, faut que je glisse comme ça. Ça peut être marrant. Ouais, petit effet placebo, ça donne la confiance de les mettre. Ouais. Mais la confiance, on va peut-être en avoir besoin ici dans cette phase de corner. On fait gaffe, on arrive à forcer les positions. Mais côté Oxy, on arrive de mieux en mieux ici à punir ce Ben, les dash attacks qui ont l'air d'être des bons moves. Le nerf aussi ici qui a réussi à contest. Et on se met dans une situation très intéressante. Attention, les boules qui font très très mal. On est à nouveau une nouvelle fois envoyé. Est-ce qu'on va réussir à gratter? On arrive à trouver la roll ici pour éviter ce backer qui nous aurait envoyé dans les tréfonds de la blast zone. Et maintenant, bon courage ici pour rattraper cette stock qui a été plutôt mal parti. Ouais, mais bon, on connaît les deux joueurs, on a déjà vu les deux games d'avant que peu importe le nombre de stocks, le nombre de pourcents qu'il y a entre les deux joueurs, ça peut aller au bout pour les deux. On est à max rage pour Val. Est-ce que c'est vraiment un point positif pour Pikachu? J'en suis pas forcément sûr. Fait avoir. Surtout quand on prend la deuxième activation du Dambé, on détilt, on essaye du moins du côté de Val et maintenant il faut retourner. On est à 80% pour mi-brawler, on peut mine de rien quand même essayer de faire quelque chose. On va trouver ce double B upper fer, on va catcher un deuxième fois le fer. Enfin, on n'arrive pas à tuer, c'est dommage. Ok, c'est bon. J'ai un. Le bon air up smash ici qui permet de sortir des galères. 10%. En effet, hein, Oxygène qui nous montre que malgré la mauvaise rico de son perso, elle arrive à faire de très très bons mix-up ici qui empêche Val de ledge guard. Par contre, attention, la petite chaîne de backer qui commence à faire peur. On est on arrive à forcer les positions avec ce Don B, c'est bien vu. Ouais. Et maintenant, on se retrouve un peu dans des situations assez brouillonnes, hein, néanmoins, où au final, on a assez peu de neutral et beaucoup d'avantages et de reverse. Là, on se retrouve enfin ici hein, dans ce certain stage où on aura raison de cette spot dodge avec le forwarder. Attention à pas trop les bourrer hein, non plus dans les situations de corps à corps.
Pikachu a tout ce qu'il faut pour trouver et gagner sur ses spots dodge avec énormément de multi-hits. Ouais, vraiment. Même de toute façon, les deux persos ont des très bonnes options pour pouvoir faire du sale des deux côtés. Et bon, là, on va un petit peu se regarder. Phase de neutral, on essaie de taper dans le shield, voir ce qui se passe pour oxygène. On va trouver un premier fer. Ok, bon, j'ai eu un peu peur. Hein. Non, il me fait des frayeurs, je suis d'accord avec toi. Ouais. On essaie un petit peu de varier les options. Là, faut punir. Faut punir, on ne trouvera qu'un EPR malheureusement. Et à tout moment, là, je ne sais que dire. Non, mais là, depuis tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup de reverse. C'est ça. L'un des deux va réussir à forcer la position des avantages et on arrive à reverse la situation. Oh, est-ce que par contre, on va peut-être trouver quelque chose sur... C'est fini, hein. Ouais, on le sait. La stock est finito. 4 minutes au compteur. On est relativement large, attention par contre la pression est effectuée juste avec son corps, mais c'est une nouvelle chaîne de backer qui nous est proposée. On a essayé ici de read le mix-up de désavantage avec ce Stone B, ça ne suffira pas pour l'instant, mais côté Val on est plutôt bien parti pour l'instant. Okay. Les RPS au corps à corps hein, qui sont vraiment offensifs, ouais. Qui sont enfin parfois avec des risk reward je dirais assez potentiellement douteux, on joue vraiment du corps à corps de baston, mais pour l'instant ça réussit beaucoup mieux à Val hein, ici que depuis tout à l'heure. Harit a trouvé toutes ses ouvertures, tous les moves, aucun combo trou, que des one hit, mais ça passe. Bah ouais, c'est ça passe, ça gratte, ce qu'on demande, on demande pas plus hein. De toute façon au bout d'un moment il y aura un moment, enfin il va y avoir le moment où on va partir au stage et il va falloir avoir assez de pourcentage sur la mi-brawler pour pouvoir l'envoyer avec un backer ou un fer. Donc autant gratter, garder son avance, garder sa rage et faire grimper les pourcents, et on le fait très bien pour l'instant. Du côté de Val 26, on a encore, on rentre dans les pourcents où le nerf va commencer à tuer, ouais. F-tilt, on arrive en plus enfin à trouver ce boulet, ouais. En edge guard, ça commence à devenir dangereux pour Val, mais honnêtement il est peut-être pas au bout de ses galères hein. On connaît Mi-Brawler. Oui, vraiment, et puis surtout on connaît Oxygène qui a plus d'un tour dans son sac, et d'autant plus elle connaît super bien Val, donc elle a peut-être ce clutch factor, cette détente que tu gardes à chaque fois pour clôturer un set, en espérant que ce set se termine de la meilleure des manières pour les deux joueurs. En effet, dans tous les cas il n'y aura qu'un seul vainqueur hein, malheureusement, mais côté Val, ça se passe plutôt bien pour cette game 3. Ouais. On va réussir à garder pour l'instant un peu de pression ici dans ce corner, les petits forwarders. Au final, c'est la petite grave hein, qui est trouvée, mais on s'extire du désavantage à l'aide de ce flip kick. C'est bien vu, mais au final, on a du mal ici en neutral à éviter ces backers. Le F-Steel qui suffit. En le voyant cette fin de game, hein, on a un petit peu de mal quand même depuis tout à l'heure côté Oxy, ouais. À rentrer sur ce Pikachu. Les RPS 2 se jouent peut-être un petit peu trop offensivement, surtout quand le Pikachu est à high pourcent, ouais. Et on commit sur des options qui sont un peu plus lentes, et au final c'est ce Pikachu qui va réussir avec des backers ou avec des nerfs qui sont relativement rapides à avoir l'ascendant dans cette game et à avoir l'ascendant aussi sur ces confrontations vraiment corps à corps. Ouais, clairement plein de choses à dire. Mine de rien, peut y avoir un reverse. Ah, gars. Moi je l'avais dit, le chapeau pointu hein. C'est la forme finale. Hein. C'est la forme finale. Bien sûr, après, de toute façon, à tout moment, ça reste Oxygène en face. C'est une joueuse tout aussi talentueuse que Val. Donc, je me fais pas de soucis. De toute façon, ça va être le meilleur qui va gagner. Et surtout à celui qui va le mieux s'adapter, je pense. Parce que, on le répète encore et encore et encore, c'est deux joueurs qui se connaissent super bien. C'est ça. Donc, forcément, ça va être à l'adaptation et à celui qui va le moins autopilote. Et je dis ça vis-à-vis de Val, où on a des habitudes après des throws de tout le temps aller faire le fer, tu vois, genre, ouais. Tu sais, il fait jump fer ou il drop fer, et alors que l'adversaire est forcément à des pourcentages où il va pas se retrouver là où Val va faire ses coups. Donc va falloir faire attention à ça, et on retourne sur PS2, map qui a été du coup à l'avantage d'Oxygène par le passé. Ouais, mais pas l'avantage d'Oxygène visiblement, je mets potentiellement le plafond un peu plus bas. Quoique sur Small Wave c'est pareil, donc je sais pas trop pour quelle raison on part sur un stage plus grand où au final on doit peut-être plus galérer je dirais pour approcher ce Pikachu, mais écoute pour l'instant ça semble bien lui se passer pour elle, donc j'imagine qu'on garde là les bonnes strings de backer comme on connaît. On a essayé de mix up ici le F smash pour potentiellement rire quelque chose, gratter okay. Plus de pourcents. Ouais, là on est très très agressif, il reviendra pas, et on s'est fait un peu mesmériser ici par les Thunder, où au final à vouloir trop être patiente on ne pouvait plus revenir ici sur le terrain. Ouais, à trop vouloir conserver ses options, et ben on en a perdu ses moyens du côté d'Oxygène. Et là tout est à faire hein, parce que vraiment perdre sa stock en moins de 30 secondes en n'ayant pas
mis tant de pourcents que ça à son adversaire, bah forcément ça met un coup en morale et ça va demander énormément d'énergie pour Oxy. Donc il va falloir clôturer maintenant ce set si jamais on veut avoir un petit peu de sauce pour une potentielle Game 5. Non, en effet, on va voir. Ah oui, aussi potentiellement partir à la récolte d'informations si on en a besoin. Ouais. Pour se mettre dans une potentielle Game 5 sous les meilleurs auspices, mais ne l'enterrons pas quand même tout de suite. On connaît Mi-Brawler, là on est dans des pourcents où ça peut faire peur. Upper B, je dirais que ça tue. Peut-être Dunsrow B qui peut être trouvé potentiellement. Mais côté Val, on refuse le corps à corps depuis tout à l'heure. On ne veut pas se faire toucher. On met ses petits hits et après on essaie de jouer notre phase d'avantage. Mais vraiment, on empêche tout les RPS 1 depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, vraiment. Et là, on vient catcher Oxygène offstage malheureusement. On ne touchera pas avec ce backer et on va se faire punir avec un EB. On va se faire corner de l'autre côté, mais bon, je pense que ça reste tout de même à l'avantage du bon Val. Ok, heureusement qu'on a reculé. On va bon mix up. Ouais, parce que je pense que ce boulet dans ce B aurait pu faire de gros dégâts. De gros dégâts comme ce forward air qui nous annihile notre deuxième stock et cette game 4 qui sent vraiment pas bon. Ouais, ici vraiment. Pour Oxygène. Vraiment, là on est noyé là du côté d'Oxygène et Val a. A les bonnes réponses à quasiment tout ce qu'on lui met en face de la tronche. Encore une fois, on est au-dessus d'une plateforme, on va mourir d'un B. Force à toi, on tech pas, back air et on part game 5. Une game est d'une autorité sans nom. Hein. Je pense que la stock 1 te met dans La stock 1 fait la game. La stock 1 te met dans un mood catastrophique. Ah, ouais. Ensuite, ta stock 2, t'arrives pas à rentrer dedans, tu trouves jamais rien de plus qu'un air. Ou qu'un F-Tilt, un truc comme ça, mais jamais rien sur lequel tu peux vraiment continuer, sur lequel tu peux capitaliser. Uh-huh. Et une game, enfin une stock 3 où tu te fais juste edgeguard, tu rates ta tech. Ouais, non, c'est Sachant qu'en plus, je sais que Val joue beaucoup là-dessus sur justement le fait de te faire tech ou non, ou parfois il va juste faire en sorte de cancel le backer, comme ça tu te retrouves dans une situation où tu tech pas, et potentiellement tu bourres l'air dodge et c'est ciao pipo quoi. Ouais, clairement. Clairement. Et ouais, on l'a vu hein, ça plus d'une fois avec contre Azerty aussi. Hein. Donc ouais, retour sur PS2, champ de bataille conquis par le bon Val 26. On n'aura pas trouvé ce B pour Oxygène et on se fait punir. Heureusement qu'on n'est pas allé plus loin et heureusement que ce DER n'a pas connecté parce que ça aurait pu être le début des problèmes pour notre mi-brawleuse nationale. On arrive quand même à roll. On arrive à revenir pour Val, pas pour longtemps. Oui. On ne trouvera pas un reverse ou quoi que ce soit. Non, on trouve pas grand chose hein, depuis tout à l'heure. On joue des projos. Non, on joue beaucoup avec ce qu'on a à distance, on prêcheur comme on peut. Mais là, depuis tout à l'heure, ouais, on se fait beaucoup baldinguer hein, d'un côté du stage. Ouais. Depuis tout à l'heure, là, vraiment, c'est. Tu prends un air, tu prends un back air, j'arrive vers toi. Attention, par contre, ici, le bon gras, on arrive à en sortir. Je sais pas si on a voulu peut-être jouer le RPS de. Ouais. Si côté Oxy, on voulait pas jouer justement ce RPS, enfin, le petit set play qu'on peut avoir après le lâchage du grab. Mais là, c'est très très serré néanmoins. Ouais. Les deux peuvent exploser. À voir comment est-ce qu'on va sortir, mais celui qui peut prendre la première stock se met dans de bonnes conditions pour la suite de ce match. Ouais, clairement. Clairement. Et puis surtout à celui qui prend la stock en premier, réussir à convertir avec des pourcentages d'avance, parce que je pense qu'on va en avoir bien besoin pour les deux joueurs. D'un petit peu de. Ok, il regarde sa manette. on a deux joueurs qui. Ouais, si tu veux que je te dise, moi je suis là, je suis en mode ouais, faut gratter les pourcents pour garder un peu de carburant et tout. Et l'autre, c'est SD, vas-y, j'en peux plus, frère. C'est pour faire mon job. Ça brise le fun, on a plus rien à dire. Mais en tous les cas, c'est bien vu. On arrive ici à contest landing d'Oxy avec cette bonne dash attack. Au final, rien n'est perdu. On a pris que 45%. Ouais. Je rappelle qu'en début de partie, on avait un bon retard de 80% et on a su revenir à avoir presque le lead. Maintenant, il reste plus qu'à faire le même boulot. Hein. Par contre, ici, les nerfs qui marchent très très bien pour qu'on teste hein, aussi ces situations corps à corps avec une option très très rapide. Mais on n'est pas en reste côté Val 26 où on trouve aussi nos petites phases, nos petits pourcents. Mais on a du mal. Maintenant, Oxy là, est pas au-dessus. On sent que c'est pas à l'aise. Hein, quand t'es pas à l'aise dans cette situation où t'as peur de se prendre ce EPR, ce back air, potentiellement un air. Mais on arrive ici, on se fait à nouveau avoir hein, par ce Don B2 qui, attention, a beaucoup de kill power quand les pourcents commencent à être dans le rouge. Donc, il va falloir faire très attention côté Val à pas se faire avoir par ça plus tard. Ouais, il va falloir faire attention aussi à ces options un petit peu hasardeuses là, ce side B dans le neutral. On vient trouver un up smash et là le retard de Val est quand même assez conséquent
mine de rien, il va falloir réussir à trouver cette socle rapidement si on veut espérer aller taper le bon Hirot en grande finale. Ouais, en effet, et là malheureusement on se fait avoir deux fois de suite par ce side B. La situation de Tekche sur plateforme qu'Oxy connaît très très bien, qui permet juste de retrouver un deuxième side B qui sont ni plus ni moins de side B, c'est 40%. Donc faire attention à ce genre de truc. Ouais. Et là attention, les landings ici sur le terrain, on s'en régale hein, côté oxygène, on arrive à gratter des pourcents. Il va falloir faire attention à ces petites phases de désavantage alors qu'on peut skip quand même hein, des phases avec ce B. Ou potentiellement juste en allant au ledge, on n'a potentiellement pas envie de les contester. Là on arrive ici à gap close tranquillement, on arrive même à contester hein, les options des avantages d'oxygène. Maintenant on l'envoie offstage et c'est le moment de capitaliser. Malheureusement on va se faire on va clank nos moves et on n'arrive pas non plus à connect ici le combo à cause du down B de d'oxygène. Ouais, bon on arrive à trouver petite phase nerf à back throw. On va punir le thunder qui va envoyer de l'autre côté qui ne tuera pas malheureusement. C'est un peu triste là pour Val, mais néanmoins, il ne faut pas, se mettre au fond pour ça non plus. On va trouver encore une fois un side B qui ont vraiment été salvateurs là sur cette fin de game pour l'instant. Des side B qui ont gratté à eux-mêmes, je crois, 100%. 60 minimum. Ouais, 60 minimum sur la dernière stock, je crois. Mais sur les dernières minutes, un peu plus, on va trouver cette up throw, mais 100% pour le rajaune. C'est ça, maintenant, côté Val, il va falloir sortir du clutch factor comme dont on connaît bien la recette. Côté Oxy, il suffit de sécuriser la game. Mais attention, par contre, on prend déjà des premiers backers qui peuvent être assez dangereux. On arrive à prendre les bonnes streams côté Val. On essaie de trouver Rico haute, mais c'est pas par là qu'Oxygène est passé. On arrive à se frayer un chemin à travers toutes les hitbox de Val et à même trouver ces petits nerfs qui, attention, on le rappelle, quand on va être à trop haut pourcent, on peut peut-être être suffisant pour trouver ses kills. Un simple landing nerf ou un nerf out of shield, ça va t'allumer la gueule. Ouais, clairement, là on meurt de la moitié des coups de demi-brawler, donc va falloir faire attention pour Val. On trouve un premier backer et là va falloir, je pense, jouer offstage pour Val si on veut espérer pouvoir carjack ce set et faire un bon reverse 3-0. On va trouver backer pour oxygène. Là, attention, 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 parce que là on est sur une plateforme contre mi-brawler. À tout moment, sur un lâcher de shield un petit peu trop early, on aurait pris up B et on serait directement dans la blast zone pour le bon rat. En effet, là c'est même ce petit aussi qui nous fait frôler cette blast zone. On prend son temps, on peut revenir sur le terrain. On s'est un petit peu précipité côté Oxys avec ce B, mais au final tout va bien. On garde la pression, on arrive à garder Val off stage. Est-ce que là, sur les scraps, on a essayé le back, mais ça n'a pas suffi. On continue la pression sur le shield côté Val. On va potentiellement trouver la dash attack ici. Maintenant, phase off stage, le moment potentiellement de capitaliser, premier forward air. Je crois que le down B n'avait pas été fait. On a final réussi à revenir ici sur le terrain. Attention au face corner, trouve cette stock. Très bien joué, on a réussi à trouver l'option de désavantage, l'option de ledge trap. Et aux portes du reverse 3-0, on ne l'a pas. Ouais. Elle nous file entre les doigts. On a su resserrer le jeu, on a réussi à trouver nos stocks en fin de partie. Et côté Oxy, on